un petit témoignage. La prédication de l'autre fois m'avait tellement marqué. Pendant que le pasteur prêchait, j'étais en train de pleurer. Donc cela nous a laissé les séquelles jusqu'aujourd'hui. Ça fait des années. Bon, à l'époque, nous étions tous des étudiants, mon frère et moi, dans deux villes différentes. Lui, pendant ses études, avait présenté une jeune fille à sa maman pour fiancée. Tout allait bien. On attendait qu'il finisse ses études pour le mariage. Il s'est avancé. Pendant ce temps-là, j'attendais encore mes vacances. Dès que j'arrive, ma maman se met à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je ne sais pas ce que je veux faire maintenant. Tu te rappelles de la fille depuis qu'on refusait à ton frère. J'avais même oublié que cette histoire continuait. Mon fils arrive et me dit que j'abandonne celle-là, c'est celle-ci que je vais épouser. Que tu veuilles ou pas, c'est elle que j'épouse. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mon frère arrive. Je dis, mais comment? Il me dit, non, je me suis rencontrée avec l'ancienne. Elle a beaucoup pleuré et c'est elle que je veux maintenant. C'est elle que tu veux maintenant. Tu as déjà, on a déjà vu la famille. On attend que tu finisses et que tu viennes. Tu vas bientôt finir tes études. Qu'est-ce qui se passe? Que vous soyez d'accord ou pas, c'est celle-là que j'épouse. J'ai dit à maman, garde le calme. Un jour, il vient, il me présente l'acte de mariage. Et je me suis déjà mariée avec ma femme. J'ai dit à ma maman, la bombe est déjà lancée, restons tranquilles. Accueillons, on va faire comment? La mère dit, il n'y a pas de problème. Et pendant ce temps-là, chez nous, c'est obligé d'aller doter. Il va doter la femme, il a alors l'argent. Non, il n'a pas l'argent. Mais nous nous sommes débrouillés à trouver de l'argent pour aller doter cette fille. Il porte la fille, il met à la maison. Là, on l'a fait. À l'époque, chez nous, quand vous passez à un concours professionnel, après l'école, on vous donne du travail. Il a été affecté dans une école. Il a abandonné toute sa famille. Tout le monde, parce qu'on n'aime pas sa femme. Il a abandonné toute sa famille. Le mariage n'a pas fait 2 ans. Ça a déclenché entre eux-mêmes. C'était sa belle-mère qui était devenue sa maman. Ça a déclenché entre eux-mêmes. Nous apprenons tribunal, divorce. Personne n'a mis pied. Comme il avait abandonné toute la famille, personne n'a mis pied. Il est monté, descendu. Finalement, c'est lui-même qui nous rendait compte. Il dit, j'ai déjà divorcé avec ma femme, maintenant. Mais je vous assure, depuis que mon frère a divorcé, il a tout ce qu'on appelle grade. Depuis qu'ils se sont séparés, il n'a jamais été heureux dans son foyer. Bon, le jour du tribunal, dit-on, de la délibération, dit-on, sa belle-mère avait dit que tant que tu n'as pas épousé ma fille, non, tant que je vis, tu n'auras aucune autre femme dans ta maison. La malédiction était tombée sur les deux, sur l'un et sur l'autre. Le mari tournait en rond, la fille aussi tournait en rond jusqu'à nos jours. Ils ont eu un enfant. L'enfant aussi les a abandonnés, l'a abandonné comme lui aussi avait méconnu sa maman. Il m'apprend que j'ai appris que ma fille s'est mariée aux États-Unis. J'ai appris qu'elle a même accouché. Mais il n'a jamais vu la photo. Donc, c'est pour cela que c'est le témoignage. La prédication de dernièrement, c'était comme si on était en train. Et je n'ai jamais oublié ça. Donc c'est pour cela que je veux faire ma petite, je veux chanter ma petite chanson ici. Il nous parle, il nous parle. Dieu nous parle, n'attends-tu pas? Il nous parle, Jésus nous parle. Ouvre ton cœur au Seigneur, à la porte de Jésus frappe, à la porte de ton cœur, tu vas y taper. Ouvre ton cœur au Seigneur, à la porte de Jésus frappe, à la porte
Bye.